C'était un des plus gros espoirs du PSG, mais depuis, à seulement 25 ans, il vient de signer au Canada. Mais qu'est-il arrivé à Lorenzo Caligari? C'est en 2011 que Lorenzo Caligari est repéré par le PSG. Impressionnant avec les jeunes, il sera titré champion U19. Le milieu défensif français était avec Alex Georgen une des plus grosses pépites du genre de formation. Il signera son premier contrat pro avec le club de la capitale en 2015. Il jouera son premier match avec le PSG le 30 novembre 2016 contre Angers, mais malheureusement ce sera son seul match. Il n'est pas assez utilisé par son entraîneur, qui va le laisser en réserve. Et en 2018, il décide de ne pas prolonger pour partir chercher du temps de jeu ailleurs et signera au Genoa. Mais au Genoa, il sera prêté directement en Serie C, à Ternana. Il n'arrivera pas non plus à s'imposer là-bas, et un an seulement après son arrivée en Italie, le Genoa s'en débarrasse et le vend à Avranches en National, où il retrouvera d'ailleurs son ancien coéquipier du centre de formation, Alex Georgen. Pas très convaincant non plus en National, il partira l'année suivante à Chambly, mais pareil, il sera juste un remplaçant dans l'effectif, et après deux saisons très moyennes, il a signé libre cet hiver à Wanderers au Canada.